1er septembre, J-5 avant le départ de Compostelle. Alors, petit mémo, mon Zazounet, puisque quelques personnes voient ça. Donc, bon, bah, je pense que là, j'ai le roi démon qui arrive. Mais c'est assez rigolo. Parce que j'ai vraiment l'intuition et j'ai pas écouté mon intuition. Ça, c'est pas très bon. Mais ça fait plusieurs. Mais là, je sens vraiment qu'il frappe toutes les manières. Il essaie de rentrer d'un côté et tout. Voilà. Alors, je vais reprendre la définition bouddhiste dans le Nichiren, le roi démon. C'est pas quelque chose de surnaturel. C'est selon la conception bouddhique, ce ne désigne pas un être surnaturel, mais tout ce qui a pour fonction de diminuer, saper ou détruire la vie. Pour un pratiquant bouddhiste, c'est ce qui a anéanti sa foi et lui barre le chemin de la bouddhéité. Donc, ah bah, c'est normal, hein, là, on va titiller un peu des choses profondes, on va aller marcher, on crée aussi beaucoup de joie, de bonheur, et paf, ça essaye, voilà. Donc là, en mémoire, c'est que, bon, ça fait déjà plusieurs. Déjà pour les voitures. À savoir qu'on a trois voitures, mes parents ont une voiture. Donc le but, on s'est dit, on va y aller en voiture avec celle de mes parents, hein, parce que c'est la mieux. Et hier, je reçois un message de ma maman. L'embrayage est foutu, on peut pas prendre la voiture. Ça, c'est roi démon. Cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi. Je pense que j'ai pris aussi un peu de son énergie hier. Et j'ai beaucoup. J'étais avec mon grand-père parce qu'on voulait pas trop dire à mon grand-père qu'on part. Enfin voilà, il y a plein d'énergie. Hein. Et j'étais en colère cette nuit. Donc j'ai plein d'énergie là, mais c'est pas forcément. Enfin, c'est l'énergie de la colère. Donc je vais l'utiliser à faire des choses pour continuer la préparation, tout ça. Vu que j'ai pas trop d'énergie en fait. Voilà, mais donc ce qui est vraiment marrant, et j'ai pas écouté mon intuition, parce que en fait on a trois voitures, mais on a deux qui sont potables, on a une Twingo, on a tout chez Renault, moi les trois. La Twingo c'est trop petit, ça va pas, ça irait pas. Ce qui est rigolo, c'est ma Clio, ça fait un moment moi aussi que j'ai un problème d'embrayage. Et il y a 15 jours, ça me fait, vas-y, va faire le devis, et vas-y, tu t'en fiches, tu fais. Et j'ai pas écouté mon intuition, mais j'ai eu aussi des obstacles d'un côté, voilà. J'aurais dû, parce qu'en fait, ma Clio, c'est un peu la voiture la plus fiable. Si l'embrayage était refait. Et la Mégane, bah la Mégane, c'est pareil. Déjà là, le roi démon, il attaquait tôt en avance. J'ai réussi à tout bricoler, à réparer, tout ça. C'est impressionnant comme tout est lié en fait. Notre aspect extérieur, ça reflète notre environnement intérieur. C'est pour ça que je vais beaucoup pratiquer le moment présent, des trucs là, pour vraiment ramener cette énergie vitale. En plus, mes parents ont besoin, eux, de beaucoup d'énergie vitale, ils vibrent, c'est compliqué, quoi. Donc bon, bah ça va être mon job de là. Donc voilà, mais bon, là je suis content, ça va le faire, faut que je toujours maintenir la foi et la pratique. Voilà, donc alors J-5, là j'attaque les derniers préparatifs. Moi j'ai pas préparé trop mon sac. 4 ça commence, voilà. Voilà, et tout suit. Là je vais aller au. Moi je vais préparer ma coiffure. Anglaise. Voilà, mémoire. Allez, c'est pour si d'autres personnes ou même pour moi. Alors, les rois démons, du coup, nous on appelle ça du 6e siècle, attaquent les forces du bien avec ces 10 sortes de troupes. Les 10 sortes de troupes sont énumérées ainsi dans le traité de la grande perfection de la sagesse. Donc, il y en a, ça va être l'avidité, le découragement. Là, je pourrais me décourager. Mais ça va encore, la faim et soif, le désir insatiable. Le sommeil, ça souvent moi il m'attaque par le sommeil, la crainte, aussi le doute et regret, la colère, la préoccupation de gloire, de fortune et de notoriété imméritée. Et en 10e, l'arrogance et mépris des autres. Voilà, J-5, bon, tenons cap.